Donc Isabelle, aujourd'hui on est ici à Généthon, mais du coup qu'est-ce qu'on fait ici dans ces labos? On est un laboratoire qui travaille depuis un certain nombre d'années sur les dystrophies des ceintures. Et historiquement, nous avons identifié le premier gène impliqué dans les dystrophies des ceintures, qui est donc le gène de la calpine 3. Depuis, on a travaillé sur cette première dystrophie des ceintures et les avancées de la recherche ont montré qu'il n'existait pas qu'une seule dystrophie des ceintures. On a plus de 30 différentes dystrophies des ceintures. Dans l'équipe, on ne travaille pas sur les 30, hein, ce serait un travail colossal. On travaille sur les plus fréquentes. On a développé de plus en plus les approches de compréhension des mécanismes physiopathologiques et également des approches de thérapie génique, puisqu'on est à Généthon, donc ce centre spécialise actuellement dans les maladies rares et la thérapie génique. L'approche préférentielle actuellement pour la thérapie génique est d'utiliser ce que la nature sait faire, c'est-à-dire utiliser des virus. Et ces virus, ils ont naturellement la capacité de transporter du matériel génétique dans des cellules. On a fait des démonstrations de preuves de principe de l'efficacité de ces stratégies, mais au niveau ce qu'on appelle nous préclinique. Maintenant, donc Généthon s'efforce de mettre en place tous les éléments qui vont être nécessaires pour qu'on puisse appliquer ensuite ceci chez l'homme. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes entre la recherche et l'aboutissement à un essai clinique ? On a besoin d'une part d'avoir un process qui va nous permettre de produire ce produit de thérapie génique. Le muscle représente à peu près la moitié de l'organisme, donc on a besoin d'une quantité importante. On a besoin aussi d'une qualité importante puisque le produit va être injecté chez l'homme. On a besoin de réaliser des études réglementaires qui permettent de s'assurer que notre produit va être bien toléré. Et on va en parallèle mettre en place tout ce qui va permettre de faire la réalisation au niveau clinique. Aujourd'hui, on a une réelle volonté et je pense aussi une réelle capacité à essayer d'amener le maximum de cette stratégie thérapie génique pour ces dystrophies des ceintures jusqu'à la clinique. Je suis à ISTEM. ISTEM, c'est un des trois bras armés de l'AFM. On a été créé en 2004 avec le soutien de l'AFM Téléthon et on a pour objectif d'identifier des traitements à base de cellules souches. Alors, on va utiliser ces cellules souches pour faire soit la recherche de médicaments, soit de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de greffer des cellules chez un patient pour redonner une fonction au tissu qui ne fonctionne pas. Isabelle a dû te le dire, on peut traiter les myopathies des ceintures de plusieurs façons, par thérapie génique ou par recherche de médicaments. Et la recherche de médicaments, c'est ce qu'on fait à ISTEM. Donc nous, on fait ça en utilisant une technique qui s'appelle le criblage à haut débit. Alors, le criblage à haut débit, ça consiste à tester plein de molécules, plein de médicaments et de voir lequel va fonctionner. C'est relativement simple, c'est un petit peu comme si tu cherchais une pépite d'or au milieu d'une rivière. Ou une aiguille dans une botte de foin. Voilà. À la fin, on va essayer de trouver le médicament qui marche. Et pour ça, on va utiliser toutes les machines que tu vois ici et qui sont à côté de moi. Et vous en êtes où au niveau des myopathies des ceintures ? Alors, à ISTEM, on a commencé sur les myopathies des ceintures il y a 2 ans et demi et on a à ce jour commencé des programmes sur 4 maladies, 4 myopathies des ceintures différentes. On a déjà réalisé des criblages à haut débit sur 2 myopathies des ceintures et on est en train en ce moment de publier notre premier article décrivant une première molécule qu'on a identifiée grâce à cette technologie. Et sinon, vous faites comment pour trouver des médicaments ? Pour pouvoir tester tous ces médicaments, on en a des milliers au laboratoire, on en a 3000 qui sont déjà des médicaments repositionnables, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été donnés à des malades et qu'on peut réutiliser pour soigner une autre maladie. Pour tester tous ces médicaments, il nous faut des milliards de cellules. Et ces cellules-là, nous, on ne peut pas les obtenir comme ça en faisant des prélèvements. On est obligé d'utiliser une technique qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire qu'on va produire des cellules souches à partir des cellules d'un patient. Et ces cellules souches, on va ensuite les multiplier à l'infini avec tous les robots que tu as pu voir pendant la visite dans notre laboratoire. Et ces milliards de cellules, on va ensuite pouvoir les tester sur ces petites plaques, ces petites boîtes que tu vois ici. Et à l'intérieur de chacune de ces puits, là, de chacun de ces petits trous que tu vois ici, tu vas pouvoir tester un médicament différent. Et après, avec les appareils que tu vois derrière moi, on va pouvoir voir par exemple
sur l'image qui se trouve derrière moi, tu vas pouvoir voir les médicaments qui sont les plus efficaces. Plus le médicament va marcher, plus l'image va être verte. Et là, tu vois ici qu'il y a certains puits qui sont noirs, certains puits qui sont verts. C'est ce qu'on essaye de chercher. On essaye de voir quel est le médicament qui va soigner la maladie.